Fraîchement divorcée, Adele roucoulerait de nouveau. Elle aurait littéralement conquis le cœur d'un célèbre producteur américain. Depuis le mois de septembre dernier, Adele est une nouvelle femme. Elle a signé les papiers de son divorce avec Simon Konecki. Après 7 années de romance et la naissance de leur fils Angelo en 2012, ils ont décidé de se séparer d'un commun accord. Comme toujours, ils demandent le respect de leur vie privée. Il n'y aura pas d'autres commentaires, avait-on appris par l'intermédiaire d'un communiqué. Les anciens mariés se disaient également prêts à élever ensemble leur enfant avec amour. Des semaines après sa séparation, la chanteuse semblait plus épanouie que jamais et avait même pris du bon temps en prenant un peu de vacances. Elle s'était aussi rapprochée d'un rappeur britannique, un certain Skepta, avec qui elle avait une connexion spéciale. Mais ce flirt semble appartenir au passé puisqu'Adele aurait succombé au charme d'un autre homme selon The Mirror. Il s'agit de Jonathan Hay, un producteur de hip-hop américain qui a déjà travaillé avec Rihanna ou encore, Mary J. Blige. Jonathan Hay est très amoureux. Jonathan Hay et Adele se seraient rencontrés au cours de l'année 2019, dans un studio à New York. Elle travaillait sur de nouveaux morceaux et lui était occupé avec un album de jazz. Lors d'une interview, le producteur de musique de 45 ans a fait savoir qu'il avait rencontré l'amour de sa vie il y a peu et que celle-ci avait un accent britannique très prononcé. J'ai fait sa connaissance lorsque je suis sorti de l'ascenseur au studio, celui dans lequel Tupac a été tué, a-t-il aussi fait savoir, ajoutant que la connexion avait été immédiate et qu'il ne cesse de la courtiser. Si Jonathan Hay n'a pas souhaité dévoiler l'identité de sa dulcinée, voulant éviter tout commentaire, le rapprochement avec la chanteuse a rapidement été fait. D'autant plus qu'il a déjà avoué dans une précédente interview avoir très envie de travailler avec la chanteuse anglaise. Affaire à suivre.